Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les essais et les réglages de cette TSE. Et écoutez ce magnifique pot Conti. J'ai par ailleurs surélevé, j'ai retourné la patte, je l'ai mis à la position qu'elle doit être initialement. Même s'il y a le renfort de bras oscillant qui me gêne un peu, mais bon, ça tient. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Là, je vais donc changer le gicleur. J'avais un gicleur de 70, je vais mettre un gicleur de 75 parce que j'ai qu'un 75 et un 88. Voilà, comme j'avais qu'un 70 avant, j'ai essayé le 70, mais du coup, ouais, c'est très pauvre. Je vais mettre le 75, après le 88, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, je vais aussi changer la bougie. J'avais mis une bougie avec trois rondelles parce que j'avais qu'une bougie à culot long. Donc là, du coup, je vais mettre une bougie à culot court. Et puis, je verrai bien. Ça devrait être mieux. Ou pas. Ce sera la surprise. Voilà, alors c'est une bougie NJK B9HS. Donc du coup je monte le gicleur de 75 à la place du gicleur de 70. Là, j'ai remboîté le carbu dans la pipe, manchon souple, hein, comme vous pouvez constater. Je resserre le petit collier qui va bien. Et puis, bah, ça devrait faire le taf, hein, normalement. On verra au démarrage ce que ça donne. Voilà, donc là vous pouvez voir, il manque deux vis au centre du vario. J'ai rallégé un petit peu les poids, j'ai enlevé les petits poids. Mais du coup, il me vient l'idée de voir si toutefois j'ai pas des poids un peu plus lourds, parce qu'il me semble que du coup, depuis que j'ai enlevé les poids, c'est trop léger. Donc je vais sortir la petite balance, je vais chercher tout ça, je vais mesurer tout ça, et puis on verra bien ce que ça donnera. Bon, du coup j'opte pour les poids les plus lourds quoi, 5-10, 5-15, j'en ai deux à 5-15, mais en fait non, c'est 5-10. Je vais garder les poids à 5-10 et j'ai trouvé des poids à 6,7 grammes, un truc comme ça. Donc au total ça fait 22 grammes, rassure-le. Il y avait 26 à la base, je suis descendu de 4 grammes, du coup 22 grammes. Enfin d'abord 20 grammes et après 22 grammes quand j'aurai rajouté les vis au milieu. Voilà pour les infos.
Ensuite, je passe au changement de la bougie. Parce que vous allez pouvoir constater que j'avais que des bougies à culot long, donc j'avais calé avec trois rondelles. Un petit calage à la one again, tranquille. Ça fonctionnait, hein. Bon, après, c'était peut-être pas 100% étanche. Je gagnais un peu en compression parce que le culot descendait plus bas, mais je risquais d'exploser le piston. C'était peut-être pas forcément, au moins je serais plus sécure avec ça. Enfin, tout ce que j'ai fait pour sécuriser le moteur, au final, je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais ça coûte rien d'essayer. Il n'y a pas de la clé à pipe de 21 là, mon cousin, c'est de la clé à pipe qui avale ça, mon frère. Allez, saucisse, désolé, pousse-toi. Pas de klaxon, petite pute. Et là, soudain, je me souviens, ça bouge, oui ça bouge, mais pourquoi ça bouge autant? Eh ben, devinez quoi? Il l'a fait, oui, il l'a fait, il a pas serré le moteur le type, il l'a fait, bravo, allez, fais demi-tour, rentre à la maison. Thank you.
constaté, ça turbine pas trop mal, mais ça mouline un peu quand même. Donc ouais, je pense que le plateau poulie en bailliage, va falloir que je mette un plateau simple, normal, c'est plus sûr. Voilà, donc du coup je vais changer de gicleur, je vais mettre le 88. Donc c'est parti, démontage de la cuve, démontage du gicleur, et tout, voilà. Encore du folklorique. Voilà, donc je prends soin de gratouiller un peu les vis parce qu'ils sont pleins de terre, le tournevis cruciforme ne passe pas bien dans l'empreinte, donc je nettoie ça un petit coup avant, histoire de ne pas foirer les vis de cuve au démontage. Voilà, et du coup je vous ai mis la petite GoPro en direct sur mon poignet, donc vous êtes vraiment au cœur de l'action, vous pouvez pas être plus près vous êtes dans la cuve avec l'essence. Donc là on voit démonter le gicleur ralenti, je voulais le changer, du coup j'en avais pas d'autre, j'étais obligé de remettre celui-là et j'ai mis le gicleur 88. Donc voilà, enfin, je vous la fais court, on procède directement au remontage de la cuve. Voilà, ensuite petit remontage des carbus. Bon, alors apparemment je ressens des vibrations, j'ai bien serré le moteur, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas, la courroie me paraît détendue, ça me paraît bizarre, je crois que je vais pas aller bien loin.
souvent le moteur il oscillait pas, alors en remontant ça, c'était un petit peu barré et qui frottait contre le... C'est ça, les boutons qui tombaient, ça frottait contre le vario. Donc j'ai résolu le souci. Bon, petite indication, la masse c'était pour renfoncer l'axe moteur. Hein. J'ai pas monté de carbu ni de ressort avec une masse, hein. Je suis pas taré. Voilà, donc j'ai demandé un petit conseil à mon mécano habituel parce que ça tenait pas le ralenti. Alors comme je pensais être un poil trop riche, ben j'y indiquais, j'ai dit ouais comment je fais pour tenir le ralenti, il me semble que je suis trop riche à bas régime au ralenti, je voulais changer mon gicleur ralenti, j'avais pas. Du coup il m'a dit bah tu joues avec la vis d'air, t'augmentes à 2,5 tours, ce que je suis en train de faire. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo, ça m'a pas été plus utile que ça et ça m'a pas forcément porté chance. Ouais, désolé, la contrainte de vous avoir mis sur mon poignet, c'est que vous tournez avec les tournevis à chaque fois que je tire une vis, quoi. Ah, quand on est au cœur de l'action, on est au cœur de l'action. Forcément, il y a de l'action. Vous pouvez constater que j'ai enlevé les poids du milieu sur le vario. Est-ce que j'ai bien fait ça? Pas sûr. D'aller essayer ça sur route pour voir. Attention, 100% illégal, sans casque, normaval, c'est la cambrousse. Voilà, donc un moteur qui hurle comme ça en rodage, honnêtement, je suis pas rassuré du tout. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Test sur chemin. Mmh.
bah alors je me rends compte qu'il y a une bien meilleure traction dans le champ, que ça mouline encore pas mal, mais vachement moins dans le champ. Il y a plus de traction au niveau de la roue apparemment. Voilà tout le monde, je vous refais le petit tour du propriétaire. Donc allumage MVT Premium rotor interne, kit 50 Airsal à air, pot Conti, passage bas, pot long, carbut 21, le petit vario ER3 Doppler et la petite poulie Doppler ER2. Mais vraiment je suis très déçu de cette poulie, je pense que je vais revenir au plateau simple tout en fixe parce que... c'est vraiment un carnage. Merci Doppler, mais ouais, voilà quoi. C'est bon pour les enfants. Voilà, voilà. Donc sur ce va s'achever cette petite vidéo. Je tiens à vous rappeler, vous pouvez toujours vous abonner, liker, commenter, partager, tout ce qui va bien. Et puis n'hésitez pas à faire un petit don sur PayPal.me parce que bah là c'est un peu la galère. Il n'y a plus rien qui tourne, les projets sont tous en stand-by par manque de fonds. Le 88, il y a 160 euros de réparation, là je suis encore obligé d'attendre, je suis coincé. Le bas moteur là il est foutu, il faut que je le change, c'est une catastrophe. Donc voilà. Je vous invite à faire un petit don sur le PayPal.me qui se trouvera en description. Allez, big up à tous, ciao.